Les loups-garous, les vampires, les dragons, les monstres en général et j'en passe, ces créatures mythiques nous ont tous plus ou moins forgé une forme de culture autour de la peur et le fantastique qui nous faisait tant reculer devant le noir et l'obscurité pendant notre plus jeune âge. Toutes les histoires autour de ces créatures ont été mises avec le temps dans la case de bonnes légendes fictives à raconter autour d'un feu de camp entre amis en plein milieu de la nuit. Sauf que nous nous précipitons trop vite. Prenons notre temps et intéressons-nous ensemble à une histoire. Une histoire vraie pré-documentée, documentée, ressourcée dans les journaux de presse française et les faits historiques qui ont forgé les traits culturels les plus sombres et morbides de notre pays. Car oui, cette histoire s'est passée en France, dans le département de la Lozère, autrefois le Gévaudan. Vous pensez que les histoires de monstres relèvent uniquement de la fiction? Vous pensez que les dévoreurs d'enfants existaient seulement dans les films? Parfois, la réalité est bien plus frissonnante que ce que nous imaginions. Le Gévaudan est longtemps resté une zone peu peuplée et difficile d'accès en France. Environ 1500 ans avant notre ère, la région est décrite comme couverte de forêts sombres et denses. Ce qui deviendra plus tard le département de la Lozère est alors une contrée particulièrement froide, soumise à un climat continental très marqué, entraînant de terribles et interminables hivers. Les rayons solaires peinent à réchauffer le sol à travers l'entrelacement des bois et de la végétation. Cette terre est alors hostile, compte d'innombrables lacs et étangs qui rendent son sol très sauvage. Il n'y a pas de chemin, et les hommes traversent le Gévaudan, guidés par leur instinct. Dans ce temps, ce qui intriguait déjà les habitants du département était l'existence d'une de ses plus grandes forêts principales, où l'on n'y retrouvait tout simplement aucun animal, aucune trace de vie dans ces bois. Extrêmement étrange pour une forêt qui doit normalement être le cœur de la nature et de la faune. Non, ici, pas d'oiseaux, pas de renards, pas de lapins, très peu d'insectes, un vide complet régnait dans cette grande forêt, et quelque chose... Une présence qui marquera l'histoire y surgira des siècles plus tard. Cette triste réputation durant cette époque du Gévaudan est restée stable jusqu'au XVIIIe siècle, en 1764, où tout a commencé. Une jeune femme, âgée de la vingtaine, surveillait pendant un après-midi nuageux ses trois petits-enfants, pendant qu'elle s'occupait de son troupeau à quelques mètres de sa demeure. Quand tout à coup, un gigantesque animal sort des buissons du bois qui entourait sa maison pour sauvagement mutiler la jeune femme et la faire blesser grièvement avant de s'enfuir et disparaître dans la brume de la forêt. Quelques jours plus tard, une adolescente âgée de 14 ans est attaquée à son tour par le même animal et meurt de ses blessures. Cet animal, qui sera appelé la bête du Gévaudan, vient de faire sa première victime. Plus les semaines passent, plus les attaques mortelles s'accumulent dans tout le département provenant de la même nature. Les témoins et rares survivants évoquent une bête d'apparence un chien, aussi gros qu'un âne, avec une mâchoire puissante et des dents acérées, un pelage gris et touffu teinté de rouge. La peur prend le dessus dans le Gévaudan et la presse et la justice s'emparent de l'affaire pour éviter le plus possible des prochaines victimes de ce qu'ils appelleront la bête du Gévaudan. Figure du monstre qui désole le Gévaudan. Cette bête est de la taille d'un jeune taureau, elle attaque de préférence les femmes et les enfants, elle boit leur sang, leur coupe la tête et l'emporte. Il est promis 2700 livres à qui tuerait cet animal. Cette créature était difficilement descriptible, un croisement de chiens, de loups, d'ânes et de taureaux. À l'heure où je vous parle, personne n'est encore capable de définir la nature de cet animal. Un animal macabre puisque non seulement ses préférences vicieuses pour les femmes et les enfants étaient imminentes, mais en plus de cela, cette sorte de chien était capable de se déplacer sur ses deux pattes comme un homme et de violer ses victimes, femmes et enfants, avant de les décapiter en plein jour. Et ses actions n'étaient clairement pas dictées par la faim. Ce cauchemar contre l'inconnu durera 3 ans dans le département français du Gévaudan. Ce qui était de simples faits divers devint une véritable affaire royale. Il ne s'agit plus d'attaques quotidiennes de loups ou de chiens enragés, mais de la soif sanguinaire d'une terrible créature inconnue et perverse qui laisse derrière elle des corps d'enfants et de femmes entièrement rongés.
Le roi de France de l'époque, Louis XV, s'empare de l'affaire et ordonne une troupe royale pour aller jusqu'au Gévaudan, capturer et tuer cet animal pour cesser le massacre dans le pays. Un an d'enquête, de recherche et de tuerie à l'aveuglette sur des animaux innocents se feront dans tout le département. Un premier animal suspecté d'être l'effroyable bête se fera tuer avant d'être empaillé et présenté au roi. Mais les morts et amas de cadavres continuent quand même de s'entasser jusqu'en 1767 où Jean Castel tue un gigantesque canidé dans l'une des grandes forêts du Gévaudan. L'autopsie de l'animal a déclaré une description qui correspondait parfaitement à celle des témoins et survivants. Les informations supplémentaires sont qu'il s'agissait d'une espèce inconnue, jamais vue auparavant, tellement terrifiante que les qualifiés avaient du mal à la regarder dans les yeux. Depuis qu'elle a été tuée, plus aucune attaque comme auparavant s'est produite. Mais alors, qu'est-ce que c'était? Quel était cet animal? Un chien enragé? Un loup? Un hybride? Un homme? Plusieurs théories s'offrent à l'idée qu'il s'agissait simplement d'un psychopathe, d'un tueur en série déguisé en chien pour commettre ses meurtres les plus morbides, ce qui expliquerait pourquoi la créature marchait souvent sur ses deux pattes et violait ses victimes. Mais cette théorie ne tient pas. La présence d'animaux féroces de ce genre à l'aspect de loup-garou n'est pas la seule à avoir existé en France. Dans de nombreux autres départements du pays, beaucoup sont les attaques similaires, de bêtes similaires et de victimes similaires de ce qui s'est passé au Gévaudan. De plus, les témoignages nous montrent bien qu'il ne s'agissait pas simplement d'un homme. Du moins, à ce que je sache, un homme de la taille d'un taureau n'existe pas. Et cette faculté à tuer ses victimes en les rongeant partout dans le corps n'est clairement pas humain. Surtout lorsqu'on se fie aux témoignages d'enfants ayant vu la créature de très près, qui déclare bien qu'il s'agissait d'une bête indescriptible. Pour pousser au bout cette théorie, certains diront que l'animal tué par Jean Castel n'était en fait pas la bête du Gévaudan, mais un hybride de chien et de loup apprivoisé par Jean Castel lui-même qui serait derrière les séries de meurtres. Tuer cet animal l'aurait donc fait passer pour un héros, alors que ce serait en fait lui le coupable de tout ce bain de sang. Mais encore une fois, rien n'est logique si nous prenons en compte les contre-arguments cités plus tôt. Surtout lorsqu'on s'imagine un tel degré de cannibalisme improbable chez un être humain. Cette théorie reste cependant intéressante. Il nous reste donc à se confronter à la réalité qui dit qu'il s'agissait bien d'un animal, d'une bête pas comme les autres. Une créature effrayante, aux proportions corporelles anormales et au comportement étrange. Est-ce que la bête du Gévaudan serait juste un chien ou un loup, ayant subi des mutations génétiques ou pire, des modifications génétiques en laboratoire qui auraient influencé le cerveau de l'animal, le rendant plus intelligent, donc beaucoup plus sanguinaire et meurtrier envers l'humain? Un animal qui se serait enfui de sa cage expérimentale, causant des centaines de morts malgré lui? Nous pouvons ainsi expliquer le manque et le vide imminent de vie animale dans la grande forêt du Gévaudan, dû aux tests radioactifs, qui aurait rendu l'un des seuls animaux restants complètement cauchemardesque. Une théorie beaucoup plus plausible que les précédentes, assez convaincante mais pas assez cohérente dans quelques aspects. En effet, si le fait qu'il s'agit d'un animal génétiquement modifié est possible, le relier au phénomène de la forêt vide n'est pas cohérent, car cette situation existait déjà pendant la période où les avancées technologiques et scientifiques étaient incapables de produire de telles expériences sur des êtres vivants. Mais pour beaucoup de personnes, même cette théorie n'est pas suffisante pour expliquer les envies sanguinaires et perverses de l'animal. En réalité, le vide ténébreux de la grande forêt du Gévaudan proviendrait d'une présence démoniaque, repoussant et dévorant toute forme de vie, en particulier les humains. Vous souvenez-vous de ma dernière vidéo sur la vraie histoire des Templiers, où l'on développait ensemble le sujet des djinns? Et si la bête du Gévaudan était un djinn à l'esprit exécrable, ayant pris possession d'un chien, l'ayant rendu complètement cauchemardesque, comme s'il sortait des enfers? Ce n'est pas pour rien que cette créature faisait aussi peur. Ce n'est pas pour rien que cette créature était inqualifiable. Ce n'est pas pour rien qu'elle semblait invincible. Le djinn maléfique aurait eu contrôle de l'animal comme il le voulait pour agir contre l'humanité et profiter du temps qu'il avait dans notre monde pour réaliser ses fantasmes les plus obscènes. Ces esprits seraient invisibles pour nous et auraient la capacité de prendre forme humaine ou animale, en particulier un bouc, un chat ou un chien, étant des animaux banals de notre quotidien. Si vous ne connaissez pas les informations spirituelles nécessaires à connaître sur les djinns, rendez-vous sur ma dernière vidéo au timecode suivant qui explique l'origine et le mode de vie des djinns selon les différentes religions. Mais alors, vous êtes de quel groupe? Vous penchez-vous sur les explications scientifiques? Ou les explications spirituelles? Peu importe. Et réfléchissez juste à deux fois avant de mettre les pieds dans une forêt.